Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée et qu'on va passer une bonne soirée. Alors, on va vérifier que le stream fonctionne d'abord. A priori, je suis bien en direct, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai mon super retour qui m'indique que tout est OK au niveau du son aussi, et ça c'est chouette. Je vais en profiter pour déclencher la musique tout de suite, si hop, il y a moyen. Hop là, voilà. Puis on va en profiter pour vérifier le son, en espérant que la musique est pas trop forte. Si jamais on l'entend. Je vais revérifier ça tout de suite dans OBS. OBS m'indique qu'il y a du volume sur l'audio du bureau. Alors je l'ai mis assez faible. J'entends pas la musique. Si jamais je monte le son ici. De vérification, hein. On n'est qu'en début de stream, tout va bien. Non, Toi, faut que tu parles, sinon je peux. Je pense que c'est un peu trop fort maintenant. pardon. Faut que tu parles en fait pour que je puisse entendre par rapport à ta voix. Ah, bon. Alors, petite vérification. Oh, bah dis donc, à peine ça commence, déjà un follow. Merci Trégui pour le follow. J'espère que. Hop, voilà. J'espère que ça va bien pour toi. Et puis on va peut-être pas tarder à s'y mettre. C'est Emile, il a dit que je faisais des trucs bien. Oh, c'est gentil ça. C'est gentil. Il est sympa, Emile. Je l'apprécie. Bon, a priori, j'ai confirmation que ça se passe bien côté son. Donc, on va pouvoir démarrer. Bon, en tout cas, c'est très gentil de me follow dans tous les cas, même si c'est sur recommandation. J'espère que ça te plaira. Alors. Tant que j'y suis, pour les petits réglages pré-stream, pour le moment, il y a juste ma tête à l'écran. Et si je reviens comme ça, on a, alors comme d'habitude, il y a le Virt Manager qui a plein de choses, mais du coup, il y a plein de choses qui... Faut que je trouve quelque chose pour améliorer la situation du chat avec le Virt Manager. À moins de passer le shell à droite. Mais je trouve que le shell à gauche, c'est un peu plus logique. Alors, je voulais sortir aussi un autre truc. Hop, c'est le schéma. Alors, dans mes projets. J'ai quelque part des schémas. Alors pourquoi je sors un schéma? C'est parce que ce soir, on va repartir sur une base de Home Lab. Alors pas forcément une base de Home Lab en termes de comment dire. On va pas refaire du hardware comme dimanche. Hop. Alors, tu n'y connais rien en VM. Une fois, tu as fait une VM Linux avec VMware pour pouvoir cloner. Ah! Oh! Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Mais avant de parler de virtualisation, on va parler d'autre chose.
Alors, je voudrais d'abord justement mettre la main sur ce dont on va parler. Hop. Et donc, ce qu'on va commencer comme introduction ce soir, parce que, hop, c'est, on va parler d'un truc qui s'appelle un botnet. Et qu'est-ce que c'est qu'un botnet ? En fait, c'est un réseau de machines qui sont contrôlées à distance par un acteur malveillant. En gros, hein, si on résume, net, c'est réseau, et bot, bah, c'est des robots. Et en fait, ce sont voilà, des machines, entre guillemets, contrôlées par quelqu'un qui n'est pas leur utilisateur légitime. Et il se trouve que parfois, ces réseaux eux-mêmes ont des petits noms. Et le petit nom de l'un d'entre eux, c'est tout simplement Mirai. Alors, je vais vous poster le lien vers la page Wikipédia, puisqu'il y a une page Wikipédia pour ça. Je vais aussi la poster sur le canal Discord de la chaîne Twitch, canal que je vous invite à rejoindre, bien entendu. J'en profite pour vous encourager, comme Tregui, à follow la chaîne. N'hésitez pas aussi à passer faire un tour sur YouTube. Si jamais vous ne regardez pas le live en entier, je vais y mettre les replays des lives en VOD. Comme ça, vous pourrez rattraper. Alors, ce botnet, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Et pourquoi est-ce que j'en parle ? Eh bien, en fait, ce botnet, il a une particularité. Alors, outre que il a servi à faire des attaques par déni de service distribué, c'est-à-dire en gros des attaques où des gens envoyaient beaucoup de requêtes vers une seule et même cible. Et en ayant pour but que cette cible ne soit plus accessible sur Internet. Hello à toi, XDoomer01, j'espère que tu as passé une bonne journée et que ce début de soirée se passe bien. Et donc, ce botnet, ce qui est intéressant, c'est que, outre que la personne qui a créé et qui a contrôlé ce botnet a effectué une attaque par déni de service contre le site de sécurité du journaliste Brian Krebs, il y a eu, en fait, ce botnet-là, il a une particularité, c'est qu'en gros, pour rechercher des machines victimes, tiens, je vais repasser en mode comme ça. Pour aller chercher ses victimes, il a utilisé un truc très simple. C'est qu'il s'est dit, il y a pas mal de machines qui sont joignables sur Internet, qui sont accessibles en SSH, donc en accès shell à distance, en théorie sécurisé, puisque SSH fournit des couches de chiffrement. Mais aussi en utilisant l'ancien protocole pour administrer des machines à distance, qui est le protocole Telnet, qui lui par contre n'est absolument pas chiffré. Et Telnet peut encore être parfois utilisé lorsqu'on a des machines qui sont de très faible puissance, ou parce qu'on estime que la sécurité n'est pas un problème sur ces machines, ou que c'est pas important. Mais généralement c'est une question de ressources. Et il se trouve que pas mal de machines embarquées ont un accès à Telnet ou un accès à SSH qui est mal ou pas protégé. Et quand je dis mal ou pas protégé, c'est-à-dire qu'on va avoir des identifiants et des mots de passe par défaut pour accéder à ces machines. Alors XDoomer, oui, c'est incroyable, mais vrai. Il existe un site internet qui s'appelle Shodan. Shodan.io, si je me rappelle bien. Hop, je vais vérifier ça tout de suite. Si je tape Shodan dans mon moteur de recherche favori. Voilà, Shodan.io.
Alors, je crois que maintenant, Shodan vous oblige à créer un compte, au moins gratuitement. Mais à une époque, le site Shodan laissait sans accès derrière un mot de passe. C'est un site qui permet de rechercher des hôtes sur Internet. Là où c'était intéressant, c'est qu'il laissait gratuitement, entre guillemets, il scannait les ports de tout Internet et il laissait gratuitement montrer ceux qui étaient disponibles en SSH et surtout ceux qui étaient disponibles en Telnet. Et c'était assez fou de voir la quantité de machines accessibles en Telnet. Et toujours est-il que la personne qui a créé ce botnet, qui a créé le botnet Mirai, s'est dit il doit y avoir un paquet de machines encore qui ont des trucs du genre tu te connectes en SSH avec le login root et avec le mot de passe root par exemple, ou le mot de passe password, ou un telnet admin slash admin, ce genre de choses-là. Et en fait, ce gars-là, il avait méchamment raison. Ce gars-là, cette personne en tout cas, parce que je ne vais pas présumer de son sexe ou de son genre, mais toujours est-il que la personne qui a créé le botnet Mirai a eu le nez creux en se disant il doit y avoir encore pas mal de machines qui ne sont pas protégées, qui sont accessibles comme ça. Je termine ma parenthèse sur Shodan, on peut aussi y trouver assez facilement beaucoup de machines qui ont des caméras de surveillance. Il existe des caméras de surveillance qui sont connectables sur un réseau et dont en fait l'accès est en aucun cas verrouillé ou protégé. Donc on peut se balader sur Shodan et tomber sur des machines qui ont un serveur web accessible directement sur Internet. Et on peut tomber sur des imprimantes, on peut tomber sur donc des caméras de surveillance de gens chez eux ou dans des bureaux. C'est assez dingue. Mais donc, toujours est-il que tous ces appareils qui ne sont pas protégés sont potentiellement des cibles. Et bien souvent, ces appareils-là fonctionnent avec des systèmes Linux embarqués, qui, bien entendu, ne sont jamais mis à jour, l'accès pour s'y connecter est ridiculement facile à trouver, mais en plus, effectivement, ces machines-là ne sont jamais mises à jour. Ça va être bien souvent des... disons que, j'ai envie de dire, la mise à jour, à ce moment-là, c'est un peu le cadet des soucis, quand le truc est accessible avec login root, mot de passe root ou mot de passe password. Dans ces conditions-là... J'ai envie de dire, avant de mettre à jour, les vulnérabilités qui seraient colmatées sont de toute façon pas exploitées, parce que derrière, route. Toujours est-il que la personne qui a créé ce botnet, qui a créé Mirai, fin octobre 2016, a décidé de publier le code source de son botnet. Alors quand je dis le code source du botnet, qu'est-ce qui a été publié exactement ? Ce qui a été publié, c'est le code qui est envoyé sur justement les machines compromises. C'est-à-dire que lorsque le botnet arrivait à se connecter sur une machine victime, il se connectait et il installait un logiciel binaire qui ensuite permettait ce logiciel binaire allait se connecter au centre de contrôle du botnet pour y recevoir des ordres. Et donc, il fallait que ce code soit disponible pour bon nombre de plateformes matérielles, or généralement de l'ARM, du MIPS, ce genre de choses-là. Et bien entendu, ce code, il était compilé de façon statique pour éviter de dépendre sur des bibliothèques qui seraient présentes ou pas. Plutôt ou pas, sur les petites machines de type IoT, routeur et autres joyeusetés que le botnet pouvait compromettre. Donc ça, c'était une première partie du code. Et l'autre partie, c'est justement tout le centre de contrôle, ce qu'on appelle le CNC, le Command and Control, qui permettait aux pirates de contrôler l'intégralité des machines qu'il avait pu compromettre.
cette introduction étant faite, moi, ce qui m'intéresse avec cette histoire de code source, ce que je me suis dit, c'est que j'ai mis en place un home lab avec un réseau, un ensemble de réseaux qui est possible de déconnecter de mon réseau local et donc d'Internet. Ça pourrait être intéressant de créer une version miniature, une maquette du botnet Mirai et de s'amuser un peu avec. Donc ça, c'est une possibilité. Ce qui peut être, ce qui va être intéressant avant de commencer à installer une machine de type Command and Control, parce que mon but n'est pas de créer un deuxième Mirai sur Internet. Mon but est en aucun cas malveillant. Mon but, il est pour comprendre, c'est pour aussi être, comment dire, c'est clairement pédagogique, didactique, analytique, ce que vous voulez, mais en aucun cas malveillant. Et pour cela, il va me falloir des victimes. J'ai un home lab, j'ai de la puissance CPU, j'ai de la RAM, je peux créer des machines virtuelles, donc je peux créer des machines virtuelles qui feront office de victimes. Et tant qu'à faire, bah, je vais essayer d'en créer un certain nombre. J'aimerais bien en faire une quinzaine ou une vingtaine. Et de faire en sorte qu'elles soient accessibles en SSH et en Telnet. Et de cette façon, ensuite, lancer le botnet et voir s'il arrive à compromettre toutes ces machines. Je vais donc revenir sur cette vue-là et vous montrer ce petit schéma. Alors, les habitués du stream l'auront reconnu, ce schéma. Alors, je vais peut-être pas le mettre comme ça tout en entier. Je vais faire... Hop. Parce que sinon, avec le blanc, on voit plus le chat. Voilà. Je vais... Hop. Mettre ça comme ça. Et je vous présente, grosso modo, le Home Lab tel qu'il est à peu près aujourd'hui paramétré. Donc j'ai des routeurs qui font du BGP entre eux. Ces routeurs simulent en quelque sorte des fournisseurs d'accès à Internet. On avait pu voir dans des streams précédents que j'avais créé d'autres réseaux derrière, hein, avec une machine de type, un ordinateur, tout ce qui est de plus standard, derrière un firewall qui s'assimile à une box internet. Ici, on avait un réseau un peu au milieu. Là, on avait un réseau un petit peu plus type corporate. Donc, on avait un pare-feu, un réseau dit bureautique ou administration, et un réseau avec des serveurs. Et j'avais fait une série sur des serveurs vulnérables et que j'essayais de protéger. On a bien entendu un serveur DNS, donc on peut se faire des sites web et y accéder via des noms d'hôtes. Et parmi les trucs intéressants aussi, c'est que j'avais une machine avec la distribution Kali Linux, qui est donc taillée pour l'attaque. J'avais fait d'autres projets, comme par exemple un serveur VPN. Et donc je vais profiter que j'ai de la place dans ce réseau-là pour faire plein de machines vulnérables. Et puis ensuite, je pense que soit j'utiliserai ce réseau-là, ou peut-être ce réseau-là, pour aller placer mes machines de type commande et contrôle, pour voir ensuite ce que je peux compromettre. Alors, je suis pas certain que ça va fonctionner, parce que j'ai pas préparé, entre guillemets, le stream au point de déjà compiler le botnet. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Ceci étant, j'ai d'autres plans, j'ai d'autres projets pour cette quantité de machines virtuelles que je vais mettre en place. Déjà, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir utiliser la machine virtuelle Kali Linux pour, pourquoi pas, scanner ce réseau. Et donc, voir ce qu'on y trouve. Et pas seulement scanner pour des ports, mais on pourra aussi envisager d'installer un outil de scan de vulnérabilité. Et le voir devenir complètement fou en remontant des telnets. Ça peut être amusant. Dans un genre moins sysadmin, plus sysadmin et moins cybersécu, on pourra envisager d'avoir un serveur web installé sur ces nombreuses machines virtuelles
pour tester des systèmes de reverse proxy ou de répartition de charge. Ça peut être amusant. On pourra même envisager, alors j'avais fait un stream ou deux sur une solution d'administration automatisée qui s'appelle SaltStack. On pourra essayer par exemple soit d'installer des agents Salt, ou alors d'essayer une autre solution d'administration, comme par exemple Ansible. Donc mine de rien, avoir une certaine quantité de machines virtuelles facilement utilisables et identiques, plus ou moins identiques, ça va être, je pense, intéressant. Voilà pour le plan. On a le plan A, on a le plan B, C et peut-être même D. Donc c'est donc dans tous les cas, ces machines virtuelles, elles vont servir. Et ça va être l'objectif, premier objectif de la soirée. C'est non seulement de démarrer des machines virtuelles qui sont faciles à compromettre, mais essayer d'en faire beaucoup et d'en faire beaucoup sans se prendre la tête, parce que répéter 25 fois la même installation, c'est pas intéressant. Et on va voir comment on va faire pour se faciliter la tâche. Alors, la première chose que je vais vous montrer pour se faciliter la tâche, je vais me connecter justement sur ce routeur-là, le routeur ISP6. Alors pour m'y connecter, hop, voilà, je me suis connecté via... Hey, merci pour le follow, Rogue One GG. Et GG à toi d'ailleurs pour le follow. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis déjà connecté sur mon serveur de HomeLab, le petit Marvin, et on peut voir l'intégralité des machines virtuelles, celles qui tournent, celles qui ne tournent pas. Et donc, je cherche à me connecter à mon routeur dit ISP6. Hey, merci pour le follow, Brewster101, et bienvenue à toi. Donc là, je suis sur la console locale de mon routeur. Et quelque chose que je veux vous montrer, que j'avais préparé, c'est au niveau de la configuration. Hop là. Et pour me faciliter la tâche, la première chose que j'ai fait, c'est activer un serveur DHCP sur ce réseau, qui dit que, grosso modo, il va pouvoir attribuer dans ce sous-réseau des adresses IP entre 10.6.0.100 et 10.6.0.199. Et alors, les routeurs, ils tournent sous un système d'exploitation qui s'appelle VaiOS, qui est en fait tout simplement une distrib Linux. Hein. Voilà, c'est un Linux. Tu es là à cause du tweet d'Imil. Alors, qu'est-ce que Imil a tweeté? Alors, qu'est-ce que Imil a tweeté? Qu'est-ce qu'il a tweeté, ce bon Imil? Oh là, j'ai des notifications. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du retweet. Ah, bah oui, Emile a aimé mon tweet. Et il a retweeté aussi. Ok, je vois. Eh bah, ça me fait bien plaisir. Je ne sais pas si Emile va débarquer ou s'il a déjà débarqué ce soir. Ah bah si, il est là. T'as juste RT, ok. Bah, merci pour le retweet, Emile. Merci pour le retweet, c'est très aimable à toi. Merci beaucoup. Hop. Alors... Donc, pour en revenir à la question, c'est une distribution Linux qui s'appelle VaiOS et qui a cette particularité, de... alors, c'est pas un Linux, entre guillemets, classique. Enfin, c'est un Linux, là n'est pas la question. Mais plutôt que d'accéder directement au shell bash, même si on pourrait, il a une autre interface en ligne de commande qui n'est pas sans rappeler le format d'un constructeur de routeurs commerciaux qui s'appelle Juniper. Donc en fait, ce qui est pratique avec cette distribution, c'est qu'on peut récupérer en fait le fichier de conf et l'envoyer sur le routeur pour qu'il soit opérationnel rapidement et l'utiliser comme certains pourraient utiliser un routeur Juniper, par exemple. C'est d'ailleurs ce qui m'avait séduit, parce que je voulais monter en compétence sur JunOS, hein, donc le système d'exploitation des routeurs Juniper. Et comment dire, j'avais pas envie d'acheter des routeurs chers, gros, lourds et qui font masse de bruit parce qu'on n'est pas en data center.
Alors, il existe des solutions pour avoir du routeur virtuel Juniper, mais c'est pareil, hein, faut aller demander au support, ou alors faut acheter des licences, enfin voilà, bref. Donc là, VIOS, c'est open source. Et alors, il y a une version commerciale de VIOS, bien entendu, mais en tout cas, il existe une version gratuite et totalement libre, si on n'a pas besoin de support commercial. Ça tourne en VM, mais ça peut aussi tourner sur du matériel physique. Voilà pour la petite présentation de l'outil. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout que j'ai donc un serveur DHCP qui écoute sur ce brin réseau-là, et dans lequel je vais pouvoir monter mes machines virtuelles victimes et les mettre en DHCP pour être tranquille et ne pas avoir à reparamétrer l'adresse IP à chaque fois que je crée une nouvelle VM. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser comme système d'exploitation pour mes VM? Comme j'ai envie de monter beaucoup de VM, je vais vouloir un système d'exploitation qui soit relativement léger. J'en ai, pour être honnête, trois en tête comme système d'exploitation léger. Effectivement, alors je pensais pas celui-là en premier, mais il faisait partie de mes sélectionnés, c'est la distribution Alpine Linux. Hop. Donc alpinelinux.org. Qui fournit une distribution assez légère, que j'utilise d'ailleurs déjà dans le Home Lab, puisque typiquement, ici, le serveur DNS tourne sous Alpine, et je crois que j'avais mis cette machine-là aussi sous Alpine, et celle-ci, qui était juste là pour valider, en fait, l'accès au réseau. Une autre distribution Linux, alors je vais avant de passer à une autre distribution Linux, je vais passer à ce que certains citent, NetBSD. Mirai n'a pas été prévu, je pense, pour tourner sous NetBSD. Je ne sais pas si le code source de la partie, prise de contrôle à distance de la victime est prévu pour fonctionner sous NetBSD. Donc je vais pas prendre de risque. Je pourrais éventuellement, quand on aura validé que le botnet fonctionne, on pourra peut-être essayer de popper une machine NetBSD, lui mettre root en SSH, voire même activer un serveur telnet dessus et voir si Mirai arrive à la compromettre, tout en ayant au préalable créer un binaire pour, pourquoi pas pour NetBSD, ou pour voir si, avec la compatibilité binaire qui est paramétrée dans le noyau NetBSD, l'exécutable arriverait à se lancer. Ça pourrait être amusant. Mais on n'y est pas encore. D'ailleurs, puisque certains viennent de chez Emile et qu'ils ont sans doute suivi le stream d'hier ainsi que le stream de, je sais plus, la semaine dernière sur NetBSD, une des particularités assez sympathiques de NetBSD, c'est qu'il propose une couche de compatibilité binaire pour certains systèmes d'exploitation. Donc on peut très bien lancer des exécutables Linux 32 ou 64 bits directement sous NetBSD sans avoir à les recompiler dans une certaine mesure. Hein. Faut pas non plus penser que c'est la foire et que vous avez lancé tous vos jeux commerciaux Linux, pour le peu qu'il y en a, par exemple. Mais de toute façon, sinon, Wine existe aussi pour NetBSD. Bref. Pour en revenir au distrib Linux que j'envisage, il y a une autre distribution Linux beaucoup plus classique et qui, malgré tout, peut s'avérer relativement légère. C'est la très célèbre Debian. Ça, c'est un classique, j'ai envie de dire. Je pense que je surprends personne. Un autre système d'exploitation basé sur Linux, qui peut s'avérer assez sympa, qui peut s'avérer léger aussi, c'est OpenWrt.
Alors là, vous allez me dire, non, mais OpenWRT, c'est fait pour flasher mon routeur ou ma Phonera. Alors, Brewster 101, les replays des lives, aujourd'hui, ils seront disponibles. Alors, de toute façon, je les laisse sur Twitch. Donc, vous pourrez revoir, alors, au moins pendant 2 semaines, voire plus, avec Amazon Prime. Normalement, je peux les laisser un peu plus longtemps. Et je ferai mon possible pour uploader la vidéo sur ma chaîne YouTube assez rapidement. Donc, il n'y a pas de souci, Brewster. Tu pourras rattraper le live. Ceci n'est absolument pas un encouragement à vous abonner à ma chaîne YouTube déguisée. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et donc, vous allez me dire, mais OpenWRT, voilà, c'est fait pour flasher mon routeur ou mon point d'accès Wi-Fi, ou pour ceux qui, comme Émile et moi, ont connu la Phonera, vous allez vous dire, non, mais c'est fait limite pour de l'IoT, en fait. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que lorsqu'on cherche des builds d'OpenWRT, alors, hop, la toute dernière, là, on va trouver dans les targets du x86. On va trouver même du x86-64. Oui, mesdames et messieurs, il est possible de faire tourner OpenWRT sur un PC classique. Alors, Emile, tu vas lâcher ce Pentium 100 tout de suite. Je sais même pas si ça tournerait quand même avec 32 mégas de RAM. Ah non, c'est déjà trop puissant pour toi. Sale riche. Ah mince. Ah, stream machin, il est encore là. Ah là là. Bref. Toujours est-il que voilà, on a le choix, on a plusieurs distribs. Et ce qui peut être intéressant, ça va être non seulement de les mettre en AMD64, mais aussi en i386. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans hop, un petit téléchargement d'une Alpine. On va prendre en virtuel, en x86-64. Hop. Alors non, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais plutôt copier le lien. Je vais aller sur ma machine, je vais aller dans var lib, hop, libvirt, et dans var lib libvirt, j'ai un truc qui s'appelle boot, et dans boot, on peut voir plein de trucs, on peut voir aussi des cochons stés, mais qui sont un peu planqués par ma petite bannière pour vous connecter à mes réseaux sociaux. Alors, bon, heureusement, ça va en haut, on voit Alpine, on voit CentOS, on voit que j'ai fait joujou avec des vieilles mandrakes. Bref. Allez, on va pouvoir faire un petit wget. Hop, on va récupérer... hop, on va peut-être récupérer aussi la 32 bits, tant qu'à faire. Hop là. Voilà. Ensuite... on va aller chez Debian. Alors, il va me proposer tout de suite la netinst. Ok. Ah bah. Hop. Copier le lien. Voilà. Autre installeur. Alors. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt d'autres archis? Où est-ce qu'on les trouve? Les versions de Debian. Stable. Oui. D'accord. Et... ARM 64, non, PC 32 bits, voilà. Bonsoir, nos screen found. Hop là. Oh, first time chat en plus. Eh bien, bienvenue d'autant plus. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Étant donné la première architecture prise en charge, la plupart des... Oui, installation, d'accord. Mais elle est où l'ISO? Elle est où l'image ISO? Moi, je veux l'image ISO. Mandrake, grand souvenir de la 8 points, ouais.
Quoique la 8.1, je ne l'ai pas utilisée. J'ai commencé avec la 8. Alors techniquement, j'ai commencé avec la 7, mais la 8.1, je ne l'ai pas utilisée. Hop, on a pas le manuel d'installation. Download. Alors, ce qu'on va faire, on va copier ce lien-là. Mais non, j'ai dit... Hop, voilà, alors... Hop, current, on va faire comme ça, i386, et on veut ISO CD, voilà, et je veux mon netinst en 32 bits. Copier le lien, hop. Ensuite, une fois que j'ai mes deux Debian, je vais aller prendre, alors, dans mes targets, j'avais dit x86, et j'ai un truc qui s'appelle générique, et on va prendre le générique ext4 combined. Alors, copier le lien. Hop. Alors, ce que je vais faire pour le moment... Ouais, je vais le laisser ici, tiens, allez, hop. Et x86, 64, et le générique. Ah, ah oui, mince, alors du coup... Ah si, c'est bon, il a le... Il m'a bien mis... Hop, il m'a bien mis... Debian, nanana... Non, pas OpenSense, je voulais OpenWRT. Il m'en a fait quoi? Attends, il l'a appelé comment? Elle s'appelle OpenWRT générique... Si, c'est bon, elle est là, ok. Donc maintenant, celle-ci, hop. Alors toi, tu es resté sur nos screens pendant plusieurs jours. Alors, ensuite, maintenant qu'on a nos installeurs, et ben on va pouvoir se lancer. Je voudrais juste vérifier un truc. Parce que fatalement, habituellement, moi je suis plutôt un utilisateur de distrib Red Hat et dérivés. Et bien entendu, mon hyperviseur, c'est une Fedora avec SE Linux. Et donc, je pense qu'on va devoir refaire un petit... Non, il l'a pas. Par contre, je pense qu'au niveau des droits, on va faire un étoile.iso. Voilà. Et on va pouvoir créer notre première VM. Donc, on va aller chercher nos images ISO qui sont dans le répertoire boot. Donc la solution de virtualisation que j'utilise, c'est tout simplement KVM avec libvirt. Donc j'ai pu installer Virtual Machine Manager sur mon poste local et me connecter à l'hyperviseur distant. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir? Qu'est-ce que tu aimes bien quand même? Hop là, alors on va commencer avec l'Alpine. Hop, Alpine 3.14, ça c'est cool. Forward. Alors on va être radin sur la RAM. Je vais mettre 128 mégas de RAM et un seul vCPU. Allez, j'ai vraiment envie d'y aller. Ah, toi-même si tu préfères les distros RH-based. C'est gentil. Merci. Je me sens rassuré. Et puis on va lui laisser 4 gigas. Ouais, on va lui laisser 4 gigas. De toute façon, on va pas les prendre en entier. Hop. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler Alpine, je sais pas, on pourrait pas essayer de trouver un jeu de mots avec victime, un truc comme ça. Allez, on va l'appeler Alpine-01. Gagball. quand même, faut... Alors,
On va vouloir se mettre donc dans le réseau, on avait dit ISP6. Hop, ISP6.net. Voilà. Et comme on veut juste pas grand chose, c'est my name. Eminem. On va enlever la tablette parce que de toute façon on va pas mettre d'interface graphique. On va enlever le son. Non, j'enlève pas la musique, j'enlève juste le son dans la VM. On va laisser le contrôleur USB parce que je pense que je vais avoir besoin de Radin 128 mégas. 128 octets de RAM. Bah écoute, on pourra peut-être même envisager de baisser un peu, mais déjà dans un premier temps, on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est toujours en Virtaio, ça c'est cool. Le réseau, il est aussi en Virtaio, donc ça c'est cool aussi. Et ben on va pouvoir faire Begin Installation. Ok, allons-y. Alpine. Non, c'est setup. Voilà. Bah le clavier, il est en américain. On va laisser US. On va faire le US. Alt GR International. Hop. La machine. On va l'appeler Alpine-01. C'est toujours ETH0, pas de souci. DHCP, c'est ce qu'on veut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un peu. Hop. Scale display. Always. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu avais en 2001 avec une carte graphique qui passait qu'avec des pilotes proprio? Ah. Ah, mon pauvre Windows Millennium, mon pauvre, je te plains. Je te plains. Est-ce qu'on veut de la détection? Non. Ah, voilà, c'est cool. Bon, bah maintenant, le mot de passe route, on va être password. Parce que encore une fois, on veut justement que le password soit trop faible. Puis la time zone, bah, on s'en fiche, on va laisser en UTC. Popom, voilà. Le miroir, oh bah écoute, allez. On veut mais garder OpenSSH, ouais. Ça, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, hop, c'est VDA. Non, pas, hop, pas VIDA, on va pas vider un truc. VDA. On va faire 6. Ouais, 6. Je sais plus s'il faut faire LVM ou 6 d'abord. LVM. Hein. J'ai un doute. Ah oui, LVM d'abord. Hop là. Et ensuite. 6. Voilà. Et on va effacer en effet. Voilà. Parfait. Reboutons. Bien, bien, bien. Alors, ce fut rapide. Très bien. Alors, je vérifie quand même, mais ok, elle est à jour. Donc, a priori, 10, 6, 0, 100. Donc si je prends ma machine workstation. En toute logique, je devrais pouvoir m'y connecter. Ça prend son temps quand même. Je vais peut-être finir par les réinstaller les machines workstation. Parce que bon...
Le gnome en VM, des fois il a du mal. Après, la machine n'a que 2 gigs de RAM. Hop là. Bien, 10.6.0.100. Ok. Ah, ah oui, c'est vrai que par défaut, alors on peut voir qu'aujourd'hui, voilà, pour vraiment vouloir une machine vulnérable, faut vraiment le vouloir maintenant. Hein. Hop, permis de root login, et on va le mettre à yes. Donc, je vais le dire et je vais le redire, hein, mais ce que je suis en train de faire, c'est de mettre en place, dans un environnement de lab, à portée pédagogique, ou au moins didactique, un environnement volontairement vulnérable. Ne faites pas ça sur votre production chez vous. Je suis ce qu'on pourrait appeler un professionnel. On va le mettre en minuscule, hein, le yes, on va pas non plus... Hop. Effectivement, c'est un radinge gnome de gig de RAM. Hop, allez. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être un petit peu plus facile à... Ok, je suis dessus. Ça, c'est cool. Ensuite. Donc a priori j'ai pas de serveur telnet sur Alpine. Bon, c'est pas grave. J'avais entre guillemets fait quelques vérifs. Il y en a un pour Debian, donc j'installerai du telnet sur Debian, c'est pas grave. Ce que je vais faire aussi, comme j'avais dit que au cas où j'aimerais bien pouvoir utiliser ces VM pour faire par exemple de la haute dispo, enfin pas de la haute dispo, de la réparte de charge ou du reverse proxy, je vais aller installer un serveur web. C'est où? Ah oui. Hop. Alors. Ah, effectivement, je pense que je vais finir par augmenter la quantité de RAM et de CPU pour ces VM. Ou alors installer un autre environnement de bureau. Non, pas maintenant. Hop. Maintenant, vous savez que j'utilise CentOS, mais ça vous en doutiez déjà. Donc, HTTP 10.6.0.100. Hop. 404, not found. J'aime beaucoup le HTTP.D. Everything is a... Tout est une 404. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc dans R3W ou... Ah bah si, il y a un truc. Enfin, il n'y a rien, mais il y a un répertoire. Alors, ETC... non, on va regarder dans Nginx... je pensais plutôt à http.d, default.conf, et on va lui dire que... On va lui dire que le... On va enlever ça déjà. Hop. Et puis, on va lui dire, de mémoire, c'est root. Et c'est slash var 3w slash... j'ai cru lire htdocs, non? Non, localhost, puis htdocs. Localhost slash htdoc.
Ok. Et... var www localhost htdocs. Ok. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans ce truc-là, var www localhost htdocs, on va créer un index.html. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Coucou. Je suis hachement vulnérable. Action de se connecter en SSH root slash password. Voilà. Je surveille. Il a l'air de se traîner un peu. Je sais pas ce qui lui arrive. Tiens, j'ai plus de musique. Il a déjà fini ? Allez. Hop là, allez. Voilà. Hop. Très bien. Très bien. Ça devrait suffire pour ce dont j'ai besoin. Alors. Ce que je voudrais vérifier. Qu'est-ce qu'il y a dans VTC host? Ok. Ça me plaît moyen. C'est ça, c'est sur le PC Lab de l'autre fois, nos screen found. Alors. Qu'est-ce que j'ai de sympathique? Donc là. Hop, network interface. Donc j'ai un hostname. Alors ce que je vais faire, je pense. Donc j'ai mon name server. Il est où mon name server? C'est lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le chercher. Il est où? Alors, voilà. Il est là. Et... hop. Ouais, il est en skill display. Cool. Très bien. Et là, en gros... j'ai plein de trucs. Donc je pense que je vais pas me gêner. Et je vais me faire une petite... alors, for i... in... sans... hop... 199... Est-ce que je me suis planté? Ah bah oui, il me manque le doux. Hop. Hop. Et si je dis pas de bêtises, faut que je fasse ça. Non plus. Je crois que c'est virgule. Ou tiret. Je mets toujours trois plombes à retrouver le. Ou c'est les crochets plutôt. Hop. Non plus. Oh la honte. Je pourrais aller chercher dans un script, mais... j'ai fait lequel? Alors c'est le crochet. Oula, hop. Non plus. Attends, si je fais 1,2 déjà, comme ça, de mémoire celui-là. Non plus. Ok.
cable management qui est en cause. Ah oui, c'est vrai que le cable management, je l'ai un peu... J'ai oublié la syntaxe. Oh, la honte. La honte. La honte. La honte, je sais plus faire une boucle fort en direct. Tout va bien. Tout va bien. Hop. Donc ça, oui, ça je l'ai toujours, mais... Hop. J'aurais juré qu'il y avait une syntaxe avec les deux points. Ah mais attends. Attends. Là je suis sur quoi comme shell? ASH. Ok. Bonsoir tempérance 206. Ah ouais, tiens, je vais peut-être tester avec les parenthèses. Hop. Hop. Bonsoir Gélandur. Hop. J'ai comme un doute. Non, les parenthèses, généralement, c'est autre chose. Ah, bah si, je l'ai. Je l'avais bien. Je l'avais bien. Je pense que c'est une question de shell, parce que je viens de tester sur ma... sur une machine avec un shell bash, ça passe. J'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, une fois que j'ai ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire echo victime-$i, voilà. Et ce qu'on veut, c'est faire 10.6.0.$i, voilà. Est-ce qu'on peut faire une tabule? Non. Allez, $i, on va faire quelques espaces. Victime $i et victime $. On va le mettre entre crochets celui-ci. Point example.com. Ok, ça c'est cool. Alors maintenant que j'ai pu générer ma liste, je pense que vous le voyez venir tout de suite. On va faire dans /etc/host. Voilà. Alors je vais même faire un VI dessus. Hop. Voilà. Allez. Bonne soirée, Triggy. Bah oui, pas de soucis. Tu pourras rattraper le replay. Alors, de mémoire. Hop. De mémoire, je crois que j'ai un DNS mask là-dessus. Ouais. Allez. Hop, DNS mask, c'est fait. Donc là, maintenant, si je vais sur ma victime. Non, ma victime, pas le DNS. Hop là. Donc si je fais host victime- on va dire 125 point. Ah, host notre. Bon, alors on va faire un ping victime
victim-125.example.com. Bad adresse. Pourquoi? Pourquoi bad adresse? Hop. Est-ce que lui, au moins en local, il... Ou alors je m'étais planté dans le... dans le nommage. Non, c'est bon. Hop. Ici, je fais .example.com. Bad adresse. Ah, punaise. J'ai pas mis le tiret. J'ai pas mis le tiret. Eh ben, écoute, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer, hein. Hop. On n'a rien vu. Voilà. Voilà. Tac. Là, ça devrait être bon. Ouais. Super. Donc. Bon, alors lui, il me dit toujours bad adresse, mais... si je fais la 199... Ah mais c'est peut-être parce que l'autre il utilisait directement son ETC host et que j'ai pas relancé DNS mask. Hop. Voilà, là c'est mieux. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est dire déjà le hostname, on s'en tamponne. Hop. On va laisser le truc en DHCP. Un ETC hostname là-dedans. On va laisser Alpine01. On va bien voir ce que ça donne. J'ai pas moyen de dire à ETC Network Interface vas-y, récupère le hostname depuis DHCP. Ouais. Bon, on va bien voir, hein. Si je... je vais carrément le dégager comme ça. Hop. Remarque, il y a quoi dans resolve.conf? Ok. Allez. On va voir ce que ça donne. Ah bah d'accord. Ah, j'ai mis route et pas route password. Ça commence bien. Alors, a priori, la machine y a écrit none, mais à la limite on s'en fiche. Bon après c'est un peu moche quand même, non. Je vais lui mettre un truc quand même. Ce que je vais faire c'est je vais mettre victim-alpine. Comme ça, je saurais que ça vient de ce truc-là. Donc, je la reboot quand même sur le principe. Je pourrais sans doute juste restart le réseau, mais ça va. Elle m'évite à rebooter. Hop. Et on a dit password. Voilà. Update. Ah, OpenRC, un vrai système d'init, oui. Hein. On les sent, les gens qui aiment les systèmes d'init vrais.
Petit hack le système D, ouais. RC update, je me rappelle plus de la suite. C'est Nginx de default. Non, invalide commande. Default add Nginx non plus. Voilà. Bon, va falloir que je repratique Alpine, hein, parce que là, là, je vois que je suis rouillé. Bon. Hop. Donc là maintenant, si je reviens sur ma CentOS, je vais même pouvoir lui mettre victim-100.example.com. Voilà. Ok, cool. Cool, cool, cool. Donc là, je suis à... J'avais mis 128 mégas de RAM. Ouais, j'avais mis 128 mégas de RAM. Qu'est-ce que je fais? Je tente de la rebooter avec 64 mégas. Hop. Qui vivra verra. Bah oui, allons-y. Mémoire. Hop, allez. 64 mégas. Hop là. Et ce que je vais vouloir faire aussi sur le CPU, hop, on va lui dire host pass-through, comme ça, hop, il va avoir le CPU. Et ce que je voudrais faire aussi, tant qu'à faire, hop, on va aller chercher ça tout de suite. Alors, KVM CPU ping, hop là. Alors, je sais ce que c'est, je vais vous l'expliquer après, vaguement. Voilà. Et donc, c'est ça que je veux. Alors, XML, uniquement sur le CPU. Hop, et sur le CPU. On va dire statique, et on va le mettre, sur le 12. Alors attends, j'ai loupé un truc. Ah si, c'est ça. Hop, donc là il m'en faut qu'un. Voilà. Ah bah il est là. Il est là le... Hop. Il était là. Hop. Voilà. Allez, on va appliquer ça là. Alors, tu arrives en cours de route, Tom Puce. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bienvenue, bienvenue quand même. Alors, une démo des DOS. Alors, on n'y est pas encore. On en est le même loin. D'abord, justement, je mets en place les victimes. Donc je commence à créer une VM avec un petit Linux dessus, avec des trucs faciles à compromettre. Et puis une fois que ça c'est fait, eh ben on va dupliquer notre victime, on va en faire beaucoup, et puis ensuite on verra si on a le temps ce soir de mettre en place le command and control et essayer de compromettre en masse toutes ces VM. Alors, une fois que ça c'est fait, on va essayer de redémarrer la VM. Hop là. Kernel panique. Ah bah ça commence bien. System is deadlocked on memory. Effectivement, peut-être que 64 mecs de RAM, c'est un peu juste. Allez. Memory. Je tente 96, juste pour le principe. C'est 128 minimum.
Bah visiblement, 96 megs, ça remonte. Ah oui, oui, très clairement, il y a des distros qui tournent avec moins que ça, et puis on va essayer. Hein. Donc ça passe. Ça, c'est cool. Donc total, bon, il me dit 75. Bon, après, il y a un peu de swap, hein, mais ok. Donc ça, c'est cool. Ça passe. Ça passe. Et maintenant, c'est là où ça va devenir comique. A priori... Alors, je suis tenté de... Ouais, non, on va pas s'embêter avec plus de détails. On va la laisser comme ça. On va la laisser comme ça. On va l'éteindre à nouveau. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme avec Dolly. Alors, je sais pas si tout le monde a la ref, mais on va faire clone. Hop. Et on va l'appeler Alpine 02. On va l'appeler Alpine 02. Alors attends, avant, hop, si je veux lui enlever, je vais d'abord lui enlever un autre truc. Je vais lui enlever, hop, ce lecteur optique dont elle n'a plus besoin. Voilà. Hop. Voilà. Là on est bien. Là on est bien. Donc maintenant, je vais pouvoir la cloner. Et on va l'appeler Alpine 02. Et je clone. Alors, je vais pas en faire 10 comme ça, hein, parce que cliquer et tout ça. Donc, il y a moyen de le faire en ligne de commande. Je l'avais fait à une époque. Est-ce qu'il me l'a gardé en mémoire? Non, grep, clone. Je crois que j'ai dû écrire clone. Non, clone. Git clone, non, c'est pas ça qui m'intéressait. Je me demande si je crois que j'ai pas installé la... Alors, VRSH. Hop là. Et je crois que j'ai un truc qui s'appelle Vol Clone. Uniquement Vol Clone ? Storage Volume. Non, c'est Virt. Voilà, Virt Clone. Je savais bien qu'il y avait un truc. Voilà. Donc virt clone dit quoi? --- original name. Donc on va dupliquer la machine virtuelle et on change tout ce qui est unique. Donc ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt cool. Le contenu de la VM n'est pas altéré. Justement, on a tout mis en DHCP pour être tranquille. On a retiré ce qui était unique. Ce que j'aurais pu faire en revanche, c'est même supprimer les clés d'hôtes SSH. Parce que là, on va avoir les mêmes clés d'hôtes en fait. Et maintenant, les versions récentes d'OpenSSH commencent à râler. Quand ils voient arriver deux fois la même clé d'hôte avec des IP différentes, ils commencent à dire « Eh oh, il se passe un truc !» Donc, on va pouvoir faire un petit... Alors, virt clone. Alors, j'avais dit quoi? Hop, non, ouais, mais non, c'est pas le VRSH que je voulais. Oh, punaise. Allez, donc c'est moins original. Hop là, moins original. On a dit Alpine-01 et on va lui dire Alpine. Tiens, 03. Non. Attends, j'ai pas compris la syntaxe. --- original name. --n. Ah oui, --n. Hop. Hop, bah alors t'es où? Hop. Mais non. Décidément. Allez, --n alpine z-03. C'est bien ça, hein, j'ai bien tiré. J'ai mis un tiret. Voilà. Non.
Alors si on pourrait, on pourrait décider genre de faire un bon vieux CP et copier aussi les fichiers XML et y aller à grands coups de CED. Mais tant qu'à faire, il y a un outil. Moins original. Moins N no name. J'ai fait quoi? Moins original. Source name, ouais. Moins N. Alors il faut moins autoclone sans doute. Moins autoclone. Auto-generate, clone name and storage pass. Oui mais non. Ah oui si d'accord. Allez. Clone. Voilà, ça a l'air de passer. Voilà. Et donc là, si je regarde, maintenant j'ai un Alpine 03. Et si je l'ouvre. Guest is not running, normal. Il s'appelle bien Alpine 03. Et si je vais sur son disque, c'est bien Alpine 03 QCO 2. Le CPU, il m'a bien mis un VCPU, host pass-through. Et si je vais dans le XML, normalement, il me l'a gardé sur le CPU 12. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Hop. Et maintenant, on va se refaire la même. Hein. Hop. For i in. On va lui dire 3 à 9. Hop. Do virt clone alpine 01 alpine 0 dollar i moins autoclone done. Et bim. Invalide. Ah ouais bon ok. Ah la MAC adresse. Alors normalement la MAC adresse il en génère une. Il en génère une. On peut vérifier. Hop. MAC adresse ici elle s'appelle AC7611. Si je prends la 3, la MAC adresse 117.7C25. Et d'ailleurs, je crois qu'il le dit dans la page de manuel. On va aller revérifier, enfin, en tout cas dans l'aide. Et donc, on a... hop. Donc, il change tout ce qui est unique. Voilà, MAC adresse, name. Donc, voilà, j'ai 9 VM Alpine 64 bits. Allez. On peut faire un petit run. Bon, ça je vais le quitter, j'en ai plus besoin. Hop là. Ça c'est la CentOS. Lui c'est le DNS, donc on va pouvoir hop, l'enlever aussi. Hop, et puis voilà, il est en train de démarrer. Cool. Et lui, il a obtenu 10.6.0.107. Ok. Donc, c'est cool. C'est très cool. Donc là, déjà, j'ai 9 Alpine virtuels avec un Nginx qui tourne et un OpenSSH facile à deviner. Donc ça c'est cool. Maintenant, deuxième étape. On va faire une Debian. Et la Debian. Tiens, je vais la faire en i386. Ouais, non, je vais la faire en AMD64 aussi. Hop là. Pour l'instant, je vais commencer avec les AMD64. Debian. Hop. Debian. Oh tiens, j'ai pas. J'ai pas Debian 11. Bon, on va mettre testing alors. Hop. Alors juste pour l'installation, on va laisser à 1024. Et on va faire deux. Oh, allez, on va être riche. Juste pour l'install. Parce que de toute façon, il va me lancer l'installeur graphique. Puis comme je suis une feignasse, je vais le garder. Hop. On va lui dire 2 Go de RAM. On va lui mettre 8 Go de disque. Faut pas non plus exagérer. Bon, je sais que j'ai encore de la place, mais quand même.
et on va l'appeler Debian-01. Hop. Et on va l'en mettre dans ISP6.NET. Hop là. Voilà. Alors. Le CPU, tiens, je vais le remettre tout de suite en post-pass-through, comme ça. A priori, on va enlever le son. On n'en a pas besoin. On va garder le tablette pour l'instant, mais on pourra faire sauter tout ça après. Hop. Ensuite, option avancée, et on va faire une install. Alors je pense qu'à mon avis, là, il y a des puristes qui doivent me haïr, parce que oui, j'installe Debian en graphique. Hop. Allez, c'est parti. On va laisser en anglais. Location. Alors non, location, on est en Europe, et on est même en France. Hop. Mais on va laisser le système en anglais. T'es où la souris? Hop là, voilà. T'as toujours installé Debian en graphique. Il fut une époque où Debian n'avait pas d'installeur graphique. Donc le clavier American English. Hop. Oui, il y a longtemps, ouais, je confirme. Et je me rappelle aussi de l'époque où certains se faisaient un dual boot avec un Windows 2000 ou un Windows XP. Et les gens qui avaient Debian allaient télécharger le premier CD de la Mandrake, non pas pour installer la Mandrake, mais parce que l'installeur de la Mandrake permettait de redimensionner une partition NTFS. Et c'était la seule distrib qui à l'époque arrivait à le faire. Je me rappelle parce que quand j'étais étudiant, j'avais un colocataire qui était plutôt Debian. Et un jour, il débarque dans ma chambre en me demandant mon CD de Mandrake. J'avoue, j'étais amusé, j'étais en mode « Ah, tu veux essayer Mandrake ?» Non, non, je veux juste redimensionner un disque NTFS. Alors, auto-configure networking, bah oui. Oui, oui. Hein. Et ouais, quelle époque. Alors désolé, moi j'ai pas connu les Atari comme certains. Hostname victim 109. Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Debian victim - Debian. Hop. Domain name example.com. Alors, enable shadow password, allo login as root, ouais. Alors encore une fois, hein, ceci est une cascade réalisée par un professionnel. Ne faites pas la même chose chez vous. Et encore moins en production. Hop. Créer un... Oh, pff, non, même pas, on va pas s'embêter la vie. Hein. Hop, configurer l'horloge. Allons-y. NTP, ouais, vas-y, continue. Alors attends, j'avais fait un truc, je vais revenir sur le DNS, il est où le DNS? Parce que je sais qu'il m'était arrivé des blagues avec le DNS, et ouais c'est bon, j'ai triché et j'ai bien mon serveur DNS comme serveur NTP qui résout debian.pool.ntp.org, tout va bien. Hop là. Puis on va... Hop, on va le mettre. Qu'est-ce qui m'arrive lui? Hop. Voilà. Détecter les disques. Partitionner les disques. Alors on va la jouer vraiment, vraiment, vraiment. On va lui dire. Voilà. Allez, on va faire du LVM, on va être gentil. On sait jamais sur un malentendu. Et on va laisser tout dans la même partition. C'est vraiment juste pour dire que... Hop. On y va vraiment, vraiment, vraiment. Allez, hop, installer le système de base. Pendant ce temps,
pendant ce temps, hop, on va le mettre ça de côté. Alors, on va peut-être essayer de ne pas le mettre trop de côté parce que vu que c'est blanc. Hop, voilà. Ça, ça dégage. Et on va commencer à s'amuser avec autre chose. Et cette autre chose, c'est OpenWRT. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par copier l'OpenWRT. On va le prendre en x86-64, hein. Tant qu'à faire au point où on en est. Non, je vais le prendre en 32 bits, comme ça je vais avoir encore moins de RAM. Allez, hop, x86 générique. Et on va l'appeler openwrt-01.img.gz. Je vais même le copier ailleurs. Voilà. Et en fait, et c'est là dans le genre léger, ça se pose là, ça se pose vraiment là, mon OpenWRT, il va faire 120 MB. QEMU, OpenWRT, voilà. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est, on va dire, import existing image. Et on va aller chercher notre image. Hop. Elle est ici. Choisir le volume. Et là, alors normalement, il ne trouve pas d'OpenWRT. Il trouve de l'OpenBSD. Mais... si je fais WRT, rien. Peut-être LEDE, parce qu'il y a eu un projet qui s'appelait LEDE non plus. Par contre, on a des Linux génériques. Normalement. Hop. Générique Linux en mat 2020. Et là, on va lui faire 128 MB de RAM. Attends, j'ai dit que j'étais avec un i386. Ouais, 64 mégas. On va lui mettre un vCPU. Forward. Hop. Et on va le mettre dans le ISP6Net comme les autres. Et on va l'appeler OpenWRT-01. Finish. Et je vais faire la même. Hop. On va lui dire pass-through. Appliquer. On va aller dans l'XML. Alors, je vais reprendre une Alpine. On va aller chercher le CPU. Et je lui avais dit d'aller se mettre sur... Hop. Hop, copier. Et ce qu'on va faire... Il est où le placement vCPU? Il est ici. Il est où? Il n'y a pas un truc... Non, il y a juste celui-ci. Allez. Hop. Voilà. Et on va le mettre sur le CPU 711. Hop là. Appliquer. On n'a pas besoin de son. Je l'enlève. Hop. Je vais laisser le display, mais hop. Enlever ça. Et puis. On va pouvoir faire begin install. Et en fait, c'est pas vraiment une installation hein, pour OpenWRT, c'est juste une image qui est prête à l'emploi. Alors pendant ce temps, bon, Debian qui me dit choisis ton kernel, bah écoute, on va laisser celui de base. Hein. Et là donc, pendant ce temps, bah, mon OpenWRT il est en train de booter. Et ce qui est... hop. Alors pendant ce temps, le Debian qui me réclame l'initramfs. Hop. Prend son temps. Je lui ai mis combien? 64 mégas, ok.
Je me demande si ça va pas faire même un peu juste sur un... Ok, c'est juste qu'il avait déjà... Donc, il n'y a pas de mot de passe route défini sur cette machine. Donc, on va utiliser la commande passe WD. Hop, puis on va mettre un mot de passe route. Il me dit bien entendu qu'il est trop faible parce que j'ai mis password. Encore une fois, on est en test. Et puis, ce qui se passe, c'est que si je fais un petit IPA, vous allez voir que ben, je suis forcé en 192.168.1.1. Et pour couronner le tout, comme c'est une distrib qui est orientée pour être un routeur, tiens, je vais d'ailleurs, hop, zoomer, voilà, et ben j'ai un DNS masque qui tourne. Donc, sur mon réseau en 10.0.6.0/24, là, j'ai une machine qui est en 192.168.1.1, et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle a un DHCP. Donc, avant de revenir sur mon OpenWRT, je sais que je switch un peu de l'un et l'autre, là. Hop, on va s'occuper de Debian. Hop là. Scan, extra... Non. Network Mirror, oui. Oh, allez, hop. On va être... Ah, bon, on va laisser en HTTP alors. Hop. France, très bien. Très bien. Non-free software. Oh, allez, on va faire la full. Voilà. Source repo, oui. Comme ça, c'est toujours ça de moins à configurer plus tard. Pendant que j'y suis sur mon OpenWRT, j'ai donc un DNS masque qui tourne et un adressage qui est un peu bizarre. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est d'aller en etc config. Network. Hop. Et le truc très simple ici. Hein, hop. On fait ça, ça dégage, ça dégage. Ça dégage. Et ici, au lieu de statique, on met DHCP. Hop. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager le ça là. Je vais vous le montrer. En gros, ça, c'est toute la conf qui dit vas-y, active DNS mask, fais un DNS et fais un DHCP. Et ça, on s'en fiche. Donc, on va dégager. Puis, par précaution, je vais le glisser dans le slash root. Voilà. Et donc, ensuite, je vais rebooter mon OpenWRT. Pendant ce temps, sur ma Debian, bon, bah, vas-y, hein, on active tous les repos. Allez, c'est open bar. Et le temps que Debian finisse de s'installer, on aura déjà rebooté l'OpenWRT, qui tourne avec donc 64 mégas de RAM. Je sais pas vous, mais moi, un Linux relativement moderne, qui tourne avec 64 mégas de RAM, enfin je dis relativement moderne, je veux dire par là que la version du noyau Linux est moderne. Alors, select and install software. Donc là, normalement, il a déjà fini. Voilà. Et il n'y a plus de DNS mask qui tourne. Et si je fais un IPA, on voit bien qu'il a pris une IP en DHCP. Ça, c'est cool. Si je fais un ping 1.1, il sort. Nickel. Parfait. Si je fais un ping... Oui, tant qu'à faire, hein, on va faire de la pub pour les copains. Là, linuxfr.org, ça marche. Cool. Cool. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe côté Debian? No automatic update. Hop. Et juste au passage, petit df sur l'OpenWRT qui lui a... Tiens, il m'a deux fois slash boot, tout va bien. Slash, donc, j'ai une centaine de mégas, il en a utilisé 13, il reste 86 mégas de place. Je dis bravo, bravo OpenWRT. Alors, le package surveil, non, hop là. Donc là, je vais juste. De toute façon, je pense que je vais pas forcément mettre à jour l'OpenWRT. Par contre, j'installerai bien un truc. Et je trouve que même Nginx, ce serait peut-être. Peut-être un peu trop.
Donc, alors je me rappelle d'un serveur web. Alors le serveur web dans le base système de NetBSD, il s'appelle Bozo. Est-ce que Bozo est dispo? Non. Non, Light HTTPD, c'est encore trop plein de features. Bozo, non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y aurait Boa? Non. C'est pas Search Bon bah allez. OPKG. Liste. Grep. Alors si je fais Nginx. Ok, j'ai Nginx. Si je fais Boa. Voilà. Alors. J'ai rien. Bozo, j'ai rien non plus. Simple HTTP. Simple HTTP. Non, il existe. Il s'appelle. Qui a une route. Il veut un serveur HTTP qui répond. Qui a une route avec une réponse vide, ultra light. Bah, en théorie, OpenWRT, il est light. J'ai quoi d'installer d'ailleurs sur la machine? PKG list, c'est installed comme ça. Hein. Ouais. Oh, y a un grub. Parce que ouais, j'ai Lucy. Ah, j'ai peut-être Lucy qui tourne. Non? J'ai quoi? Ah, j'ai UHTTPD. Donc normalement j'ai quand même un serveur web qui tourne là. Alors. Ouais, j'ai un truc sur le port 80 là. J'ai eu HTTPD. C'est bien ça. Et celui-là il est en 10.6.0.111. Donc je vais reprendre ma... Hop. Et ouais. Bah oui, parce que comme OpenWRT c'est fait pour faire des routeurs, enfin des routeurs, pour remplacer des firmwares de petits routeurs embarqués, bah fatalement ils mettent aussi une interface web. Donc on a dit 10.0.6.111, non ? Zut, j'ai paumé mon... Hop. Ouais, 111. Ah bah non, c'est pas la bonne. C'est 10.6.0. Hop là. Je commence à m'en mêler un peu les pinceaux dans tous mes sous-réseaux. C'est... Ah bah alors, elle se traîne en plus là. Bon, pendant ce temps-là, lui, on va lui dire d'installer son bootloader. Hop. 6.0. Hop. Ouais, bah oui. Ok. Please enter. Your username et your password. Bah, password, voilà. Don't save, on s'en fiche. Et donc, sur la mémoire, donc il me dit qu'il y a 51 MB de RAM pour lui. Et il en mange 38%. Bah, vous savez ce que je suis tenté de faire? Je suis tenté d'essayer de le descendre à 32 MB. Gna gna gna, primary drive, yes. Hop. Non. Bon, je vous explique pas comment on installe une Debian. Hein. Hop là. Je pense que vous êtes des grands garçons et que vous savez faire. Ceci étant, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'installation de Debian. Alors du coup, c'était Debian Buster, Debian 10. Mais je l'ai fait. Je sais plus si je l'ai mise en public, par contre. Tiens. Hop là. On va aller voir ça. Alors. Tiens, je suis pas logué sur YouTube. Ah, si. Alors. Si je vais sur ma chaîne. Hop là. Si je vais sur ma chaîne YouTube. Ah non, je l'ai mise en privé.
Je l'ai mise en privé, cette... parce qu'elle était... Installation de Debian 10 en mode expert. Ouais. Ouais, 39 minutes quand même. Je sais pas si ça vous intéressera. Alors, à ton avis, dans charge, il va pas consommer plus. C'est une bonne question, j'ai l'endure. C'est une bonne question. C'est une bonne question. On pourra tester ça. Hein. Rien ne m'empêche de d'abord le mettre à 32 MB de RAM et puis ensuite de le mettre à plus. Hein. Bon, allez, fini l'installation de Debian pendant ce temps-là. Allez, je vais faire ça, tiens, je vais éteindre la VM OpenWRT. Hop. Et puis on va le passer à 32 MB de RAM et on va voir s'il démarre. Hop là. Un autre truc qui est sympa avec OpenWRT. Donc là, il démarre, hein, il fait sa vie. Et un truc qui est chouette aussi avec KVM comme hyperviseur, c'est que par défaut, il prévoit le coup d'avoir pas seulement une console graphique, mais aussi une console série. Et là, voilà. La console série est déjà active. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça assez classe. Et oui, le fait que j'ai pas à rentrer un login et un mot de passe pour me loguer, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est une feature hein, d'OpenWRT. Donc je suis toujours sur la 111, ok, hop, allons-y, on va se reloguer à nouveau. Ouais, j'ai quand même un kernel 5.4, hein. Et ouais, sur un... Bon, il est à 3 mégas, mais c'est parce qu'il vient de démarrer. Sur un... Ok. Ah bah ça c'est très cool. Bon bah voilà, avec 32 mégas de RAM, on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir s'amuser. Allez, power off. Mais ouais, c'est très pratique la console série comme ça. Hein. Bon, System Clock 7.8TC. Yes. Voilà. L'installation est finie. Ok, c'est cool. Alors, pendant que Debian s'éteint, mon OpenWRT, on va le cloner maintenant. Avant de le cloner, est-ce que j'ai bien tout ce qu'il me faut? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est repasser ici. Et virt-clone. Alors non, on va y aller direct. For i in. Hop. 2 à 9. Do virt-clone. Tiens, on a à nouveau plus de musique. Hop. Je teste un peu l'ambiance musicale. Dites-moi si ça vous plaît. Alors, donc on était à virt-clone original. Donc c'est openwrt-01. C'était ça, hein, openwrt-01. Ouais, -01. Et moins n, on va faire open... WRT-0$i et moins autoclone et c'est fait. Hop. Avec tes enceintes, le son de la musique est bas, ça t'arrange? Oui, alors le but c'est pas que la musique couvre ma voix, c'est plus d'avoir une petite ambiance. Tiens, et puis on va en faire un peu plus de celle-ci. On va aller de 10 hop, à 19.
Hey, merci pour le follow, Titix, et bienvenue à toi. Hop, voilà. Et là, bah, j'ai masse de machines OpenWRT qu'on va pouvoir démarrer. Voilà. Ok. Trop de VM pour lui. Allez, hop. Il est passé où Hop là. On va quitter ça. On va quitter ça aussi. Voilà. Là, normalement, j'ai mon outil graphique. Hop, voilà. On va revenir. Voilà. Il est de nouveau là. J'ai masse d'OpenWRT, puis on va les démarrer. Tiens, d'ailleurs, les Alpines, je les ai toutes démarrées. Oui, je les ai toutes démarrées. Alors, oui, si vous avez suivi à un moment, j'ai assigné directement la VM à un thread de mon CPU. L'idée, c'est effectivement de faire tourner ma vingtaine d'OpenWRT sur un même thread de CPU. Ça va pas être ultra rapide, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais comme je suis pas fou, totalement fou non plus, j'ai sélectionné un autre thread de CPU par rapport aux Alpine Linux. Où est la Debian? Parce qu'on n'a pas fini de la configurer, la Debian. Hop là. Voilà, ma petite Debian qui est là. Alors. Et donc, j'ai tous mes OpenWRT. Et si je fais ce que je peux, si je vous donne les détails sur l'overview, qu'est-ce qu'il me dit, Memory Usage? Pour l'instant, j'utilise 10 gigs de RAM sur mes 47-48. Ça va. Et au niveau stockage, donc le répertoire default qui fait acquiescence. D'accord, donc je suis à peu près à moitié-moitié. Donc j'avais dédié un disque dur d'un tera pour mes VM, je suis à peu près à la moitié. Ok. C'est pas les plus OpenWRT qui vont me bouffer le plus de disques normalement. À 120 mégas par machine, ça va. Donc, j'ai plein d'OpenWRT, j'ai plein d'Alpine. Maintenant, il faut configurer la Debian. Donc ça, normalement, la Debian, on va vérifier dans le ETC Network. Hop, j'ai dit Network Interfaces. Je suis en DHCP. Ok. Bon, là, il a laissé en victime tire Debian. Ok. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est rajouter peut-être un serveur web aussi, hein, tant qu'à faire. Hein. Remarque, j'étais à... Ah oui, 2 gigas. Ouais, bon, alors attends. Déjà. Hop. Hop. On va... CPU. Topologie. Alors, hop. Hein. Appliquer. Bah non, du coup, non. Hop, voilà. Hein. Mémoire, on va lui mettre 128. Voilà. Et on redémarre. Je suis curieux, est-ce que par hasard... Non. Hop, c'est jamais sur un malentendu. Voilà. Hop, une fois que ça c'est fait. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai des mises à jour? J'espère pas. Heureusement. On a installé Nginx sur l'Alpine. APKAD, mais non. APT. Install. On va installer Apache. Hein.
Je pense que normalement, avec 128 mecs de RAM, ça devrait suffire. Et ensuite... Ensuite, on va vérifier que Apache fonctionne, qui est lancé par défaut. Et puis je pense qu'on va rajouter encore un autre truc sur cette Debian. Alors je pourrais éventuellement. Bonsoir Orgrimwes. Et bienvenue sur le stream. First time chat. Félicitations. Bien. Donc j'ai Apache qui tourne. Ça c'est cool. Si je fais un système CTL. Status Apache 2. Oui, je sais, système D. Allez, Apache 2. Tu peux le faire. Voilà. Il me dit quoi? Il me dit qu'il est active, qu'il est running, vendor preset, service. Ok, c'est activé par défaut. Cool. D'accord. T'as rien dit, Emile. Pas de soucis. On va se rajouter un truc. Parce que là, globalement... Alors déjà, ce que je vais peut-être faire, c'est aller vérifier quelque chose. ETC, SSHD... Non, SSH, SSHD, config. Et là, permit root login. On va mettre à yes aussi. Encore une fois, hein, ceci est réalisé par un professionnel dans un lab privé. Voilà. Et ce qu'on va aller faire, et là c'est encore pire. C'est qu'on va aller chercher un serveur Telnet. Je sais, on est en 2021. Alors il y a un truc qui m'amuse beaucoup. Telnet-SSL. Et bah oui, c'est bien pour ça que la box s'appelle Victime en GrimOS. C'est parce qu'on va aller lui mettre des choses un peu... Donc, apt install telnetd. Et le truc tourne avec initd? Non, arrête. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ok. Okay. Est-ce que j'ai toujours un netstat là-dessus? Non. Ok. Ok. Alors. Bon, il n'y a plus qu'une seule façon de vérifier. Hein. Où est passé ma CentOS workstation? Hop. Voilà. Oui, bah hop, allez. Donc lui, il était déjà là. Ok, c'est cool. Ensuite. J'ai pas pris l'IP de la Debian. C'est quoi ton IP? La 112. Déjà. Et non, pas 180. Oh là là. Vas-y, 10.6.0.112. Ok. Ok, donc ça déjà ça marche. Nous avons une connexion telnet. Je sais pas vous, moi ça me fait franchement bizarre. Franchement, je me sens... comment dire? En plus le nom de la commande est plus long, c'est... On va pouvoir chatter avec telnet, ouais. Oh. Moi je me connectais directement avec des serveurs SMTP en telnet.
Ou alors je me connectais sur des vieux routeurs ou des vieux switch. C'était bizarre. Enfin, pas à l'époque, mais là, maintenant, aujourd'hui... Ah, Telnet. Voilà. Mais j'ai réussi. Je suis connecté en Telnet. Donc ça fonctionne. On a dit que c'était l'IP 112, donc... La page 2, Debian Default Page. Ça, ce sera très bien, ça me suffit. Parfait. Donc, ma Debian, elle est en DHCP. Elle a un serveur Telnet. Elle est disponible en SSH en tant que root. Elle a un serveur web. Bon, bah, j'ai envie de dire, c'est parti. Hein. On va l'éteindre. Si, il manque un truc. Hop, le placement CPU. Hop. Hop. On reprend ici. Copier. Et on va revenir ici. Hop. Et on va le mettre sur le CPU 7-10. Hop. On applique. Je vais virer au passage le lecteur optique. Ça, on n'en a pas besoin. Tablette aussi. Mouse aussi. Non, je peux pas l'enlever. Je peux pas l'enlever. Ok. Oh, bus PS2. Oh là là. Ok. Donc ça, c'est bon. Hop. Donc on reprend ici. On refait la même. Hein. Debian, hop. Et c'est parti. Hop. Je vais me retrouver avec, en quelques instants, avec, voilà, 9 Debian. J'avoue, le fait de pouvoir cloner comme ça en ligne de commande, c'est vachement pratique. Il prend un peu plus de temps quand même, hein. Il prend un peu plus de temps. La question que je me pose, c'est est-ce que... Oula. Hop, voilà. Non, ça va, il reste en mode allocation fine. Mais ça vaut pas les... Ça vaut pas les OpenWRT qui pèsent 120 mégas chacun. Et les Alpines. Et les Alpines qui sont à... Ah tiens, c'est marrant. La première est à 222 mégas et les autres sont à 158. Bon, là, la truc T-Rexen, ça c'est autre chose, mais... Mais voilà, la différence entre une Debian, une Alpine, une OpenWRT, ben... Ça fait quand même un peu de place. Un giga 8. Non, je voulais les os. Je voulais les Alpines. Ouais. Ah ouais, vraiment, pour le coup, c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps. Hein. Bien, pendant ce temps, alors on va quitter ça ici. Hop, on va fermer la session. Non. Je voudrais juste fermer la session. Voilà. Et ensuite, on va aller chercher... Et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là, de toute façon, mais je voudrais juste sortir la Kali Linux. Elle est passée où ? Hop, elle est là. N'empêche, vous êtes quelques-uns à me suivre ce soir, là, visiblement une bonne dizaine, c'est assez cool. Ça me fait vachement plaisir. J'espère que vous passez un bon moment. Moi, en tout cas, c'est le cas.
J'y vais tranquillou, hein, j'avance pas ultra vite, mais j'avance. Puis c'est l'occasion de montrer des choses. Alors, de mémoire, la Kali, c'est un ZSH par défaut. Hein. Ah, non, ah oui, je l'ai changé, j'ai mis un bash. J'ai fait ça l'autre jour. Ce qui va m'intéresser... Voilà, on a un endmap. Alors... bien qu'il me fasse voilà. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se glisser la documentation quelque part. C'est pareil, ça fait un petit moment que j'ai pas joué avec Nmap. Et hop, on va le alors, je voudrais juste... Sois gentil. Non, mais... Oh, punaise. Hop. Ce que je veux, c'est... Voilà, toi là, je voudrais que tu te bouges ici. Voilà. Et ensuite, on va... Voilà, allez. Voilà, on a la page de manuel sous les yeux. Comme ça, on est tranquille. Et puis, on va pouvoir faire quelques tests avec Nmap. La première chose que je vais vouloir faire, déjà je vais commencer peut-être à démarrer mes Debian. Hop, Debian. Hop. Allez, bonne fin de soirée, XDoomer01. A bientôt, j'espère. Alors, maintenant que j'ai mes machines qui sont up, il y a un truc que je voudrais faire qui est juste le, voilà, ping scan. Donc, eh ben merci. Alors, on va se faire, on sent une ancienne map comme ça, moins SN. Et ensuite, on peut passer un network, donc on va pas s'embêter. On va faire... 10.6.0.0 slash 24. Voilà. On va commencer par voir si on accède un peu à des trucs sur ce réseau-là. Normalement, on a nos Alpine, on a nos Debian et nos OpenWRT. Et on a aussi une box Alpine supplémentaire et une box CentOS qui fait VPN. J'aurais peut-être dû le mettre en verbeux. Ah, est-ce qu'il a un mode verbose? Elle boot direct après le clone. Non, elle ne boot pas direct après. Je les ai démarrés. Je les ai démarrés il y a juste un instant. Tiens, d'ailleurs, on voit... Hop là. Bon, ce que je vais peut-être faire éventuellement... Je vais couper ça. Et avant de taper sur un slash 24 en entier, ce qu'on va faire, c'est juste une machine. Et il n'y a pas un truc verbose? Si. Non, ah non, moins grand V, c'est la... Ah, il y a un moins V, voilà, il y a un moins petit V. Alors, donc moins V, déjà, je veux juste faire un ping. Et si j'ouvre là Debian 5, par exemple, et que je me connecte dessus... (coughs) 10.6.0.134. Alors, hop... 10.6.0.134. Voilà, donc là je l'ai. Donc il me dit juste... Il a fait de la résolution. On va peut-être l'enlever. Est-ce que j'ai moyen d'enlever la résolution DNS? Moins petit n. J'ai cru le voir. Never do. Ok.
C'est default. Allez, on va faire moins. Hop. Ok, donc là, il l'a fait. Tiens, il l'a scanné quand même. Dingue ça. Je croyais que c'était moins SN, c'était juste un ping scan. Très bien. Bon, maintenant, si je vais de 100 à 199, puisque de toute façon c'est le... Voilà. Voilà, là ça commence à devenir intéressant. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Bon, maintenant qu'on a fait le ping scan, on va pouvoir commencer à faire des trucs un petit peu plus amusants. Et on va aller les scanner en... Alors, je pense que je vais faire un moins SS, moins petit S, moins grand S, pardon. Hop. Et puis on va faire un moins petit S, grand V de mémoire. Qui normalement donne les versions, si je dis pas de bêtises. Voilà. Probe open port determine service version info. Et ensuite, on va spécifier les ports qu'on scanne, parce qu'on sait déjà à peu près pourquoi chercher. Hop. Et on doit avoir la liste des ports à scanner quelque part. Alors. Je l'avais vu quelque part. Voilà. Moins P. Et on va pouvoir faire des trucs comme ça. Donc, moins P. Et on va lui dire, bah de toute façon, on sait que normalement le port 80 il est ouvert. On sait aussi que le port 22 il est ouvert. Et on sait que sur Satan aussi le port 23 est ouvert. Donc, on va pouvoir commencer à jeter un œil à tout ça. Et voilà, il trouve des choses. Et il trouve assez vite. Alors. Donc fatalement, il y en a qui sont down. Il commence à voir les ports Telnet, ça c'est cool. Les ports 80 aussi. Les ports 22 aussi, ça c'est cool. Et là maintenant, donc déjà, il a je pense là, à peu près la liste des machines qui sont up. Et là maintenant, il va essayer de vérifier la version des services qui tournent. Bon, il a l'air de prendre un peu son temps. J'aurais peut-être pas dû être aussi gourmand. Ah, ça y est, il commence à me dire des choses. Il me dit qu'il a fait à peu près 75% du scan. Alors, vous le voyez pas parce que j'ai le petit bandeau des réseaux sociaux. Mais il m'annonçait 18 secondes d'attente, a priori. Ah oui, c'est vrai que dans l'eau, on a, j'avais dit, on a une box de plus. Parce qu'il a trouvé 37 machines up. 37. Il dit qu'il a trouvé 37 machines up sur ce réseau. Donc j'ai fait 9... J'ai fait 9 Debian. J'ai fait 9 Alpine. Et les OpenWRT, je suis monté à... Je suis monté à 19. 9 et 9, 18, x 2, 36, 37. Ouais, effectivement, 37. Alors, bizarre... Ouais, 37. Dans ce bloc-là, 37. Effectivement. Bon, par contre, j'ai l'impression que les minutes ou les secondes Nmap, c'est un peu les minutes ou les secondes Microsoft. Hein. Parce que là... Ah. Il vient de finir le scan des services... Pourquoi NSE? Pourquoi il me lance NSE? Je lui ai pas demandé de me lancer NSE. Si. Allez, Nmap, dépêche-toi. J'ai pas que ça à faire. Alors, pour ceux qui se demandent, NSE... tiens, d'ailleurs, ce que je vais peut-être faire, c'est... hop. Ah bah, voilà, ça y est, il a fini. Voilà. Alors, je voulais juste pouvoir remonter un peu. Hop, voilà,
comme ça. Mais c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on peut voir que selon les box, ils nous donnent carrément bien les versions des services. Et pour le coup, il est capable de détecter que c'est une Debian. Bon, en même temps, on a laissé le truc par défaut. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur la CentOS, on voyait bien qu'on avait le truc par défaut de Debian. Hop, est-ce qu'il a trouvé d'autres choses? Bah oui, fatalement, il est tombé sur Dropbear. Bon, ça, c'est les OpenWRT. Le Telnet est fermé, heureusement. Et là, il tombe sur la page web de Lucy, le système de configuration de par web d'OpenWRT. Hop, voilà. Ce sera un peu mieux comme ça, en gros. Et en fait, on voit bien qu'il y a écrit Lucy. Bah, fatalement, il parse le HTML. Hein. Enfin, il parse. Il l'affiche. Hop. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà bien 2 heures que je stream. J'espère que ça vous a plu. Hop, on va repasser en mode comme ça. Voilà. Bon, ce fut une soirée quand même assez productive. J'ai pu comme ça créer un grand nombre de VM grâce aux fonctionnalités de clonage de KVM et de libvirt. Et en plus, on a pu voir qu'il est possible en 2021 d'installer encore Telnet. Alors pour l'anecdote, hein, j'avais fait entre guillemets mes devoirs avant le stream. Je m'étais dit au début, ouais, c'est cool, je vais le faire avec OpenWRT. Puis je viens de mémoire, genre OpenWRT, il y a encore Telnet. Et en fait, figurez-vous que non. Il se trouve que Telnet a été dégagé d'OpenWRT. Et genre, si on veut réinstaller Telnet, faut recompiler soi-même tout le système OpenWRT et aller, entre guillemets, hacker dans les paramètres et dire non, tu me vires Dropbear et tu mets du Telnet. Alors moi, je voulais pas virer Dropbear, qui est donc le serveur SSH d'OpenWRT. Je voulais ajouter et je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je vais regarder si une autre distrib fournit Telnet. Et il se trouve que Debian fournit toujours Telnet. Donc, bah allons-y. Donc ça va être assez sympa. Alors pour l'instant, on a popé que des... Si, on a donc des AMD64 pour les Alpine et les Debian, et on a du i386 pour OpenWRT. S'il y a stream jeudi prochain, normalement ce serait le cas, mais au cas où, je vous invite à vérifier sur les réseaux sociaux s'il y a stream. On attaquera la compilation du coup des outils du botnet Mirai. Et on pourra commencer à voir si ça marche. Puis si ça marche pas, ben on installera un outil de scan de vulnérabilité. Un truc un petit peu plus fourni en fonctionnalité que Nmap. Et puis on scannera quand même les box pour voir ce que ça donne. Voili voilou. Pour l'instant, j'ai pas encore le sujet du stream de dimanche. Mais j'hésiterai pas à vous en faire part au moment du stream. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis j'espère qu'on pourra continuer à s'amuser. Allez, bye bye !